Vous entendez cette musique? Vous voyez cette horloge pixelisée? C'est ça une entité. Salut Oliver. Salut Firefly. Ça va? Oui, vous vous portez bien? Très bien, je garde mon poids de forme. Et nous sommes partis pour une vidéo défi de Silent Hill. Homecoming! Vidéo défi? Vidéo défi qui va durer 55 heures! Et oui, 56 heures version longue pour ceux qui veulent voir Firefly en tenue légère. Ça, c'est autre chose. On est rendu assez loin dans ce jeu. Le grenier, comme vous voyez. Voilà. Ça pourrait être un des premiers niveaux, mais en fait, c'est un des derniers. On est rendu assez loin, on doit être à 10 heures de jeu. Voilà. Voilà, 20 heures pour ma part. Et donc, un petit chargement. Bon, les chargements, souvent, ça nous dit les astuces hein, de certains ennemis. Ouais, comment tuer certains ennemis. Et nous voilà. Et donc en fait, la mère de l'ancien militaire qu'on contrôle s'est fait capturer par des hommes masqués. Et nous devons tout simplement la retrouver. Et oui, des même hommes si avec des masques à gaz. Même si c'est à cette heure-là, elle doit vraiment souffrir. Oui. En plus, elle doit être en manque de cannabis. Et c'est bizarre, on l'entend pas là. C'est étrange. Peut-être qu'elle est déjà dead. Ou peut-être. Peut-être que c'est mon imagination. Ne dis pas le pire. Et bien sûr, comme vous le savez, les lumières attirent les monstres. Et il y a 4 énigmes différents à découvrir voilà. Pour ouvrir cette putain de porte. Voilà. Cinématique de ouf. Cinématique. Ciné. Ok, ça commence très bien cette vidéo. Nous sommes à peu près 3 minutes et on pète déjà un câble. C'est tellement... Oh putain, j'ai trouvé. Ah non, c'est le grenier. J'ai pas envie d'y aller. Puis tellement envie, en fait. Bon. Ah, mais en fait, le problème, c'est que... Ouais, nous avons trouvé plusieurs... Ouais, plusieurs articles. Mais en fait, il me manque une médaille pour pouvoir débloquer. Oui, parce que aussi, il y a des médailles et on avait déposé 2 médailles. Et il nous en manque plus qu'une. Et l'objectif, c'est de réussir à ouvrir ce numéro 9 pour nous. Et ça va être très bien. Donc on va encore utiliser la magnifique manivelle. C'est magnifique. Cinématique. Cinématique. Ok, je pense qu'ils ont déjà fermé la vidéo là. Et donc, je vous le rappelle, la lampe attire les monstres. Oui, la lampe attire les monstres. C'est tout ce qu'on sait dire dans cette vidéo, pense. C'est pour ça que... Oh là là, putain, j'ai réussi. C'est la première fois qu'on est là. Eh ouais. Ah non, c'est pas la première fois. C'est la deuxième fois. Oliver disait. Personne n'a vu que tu as pleuré sur ton lit. Mais on a déjà vu ça. Oh. Bon. On a déjà été, en fait. Oui. Ah oui. Lobotomie, machin. Et là aussi, je me souviens, il y a une horloge. Et puis là, on peut passer parce que ouais, on a tout fait. Ah ouais, c'est compliqué quand même. En fait, dans ces énigmes, on est rendu assez loin, mais il nous manque encore le petit truc pour. Oh, c'est quoi ce qui partait hein? Tu peux péter ce truc? C'est un meuble. Et avec un tuyau, je peux pas. C'est une caisse, on dirait en bois, mais. Peut-être qu'avec la hache de Bogos. Oh! Ça sert à rien. Il passe au travers carrément. Bon. Interaction avec les décors, vous voyez, 100%. 0 sur 20, je dirais, pour être plus précis. Voilà. Et bah, c'est la fin de cette pièce. Là, j'ai cru que vous alliez dire. Que t'allais dire autre chose. Oui, ne vous inquiétez pas. Pas de la vidéo, hein. Pas encore. Si ça nous fait trop chier. Ça risque de se finir vite. Je me fais déjà chier. Ah ouais, je sais. Alors, faut trouver l'heure de l'horloge, mais... Oui. Mais comment la trouver? C'est bien. Et c'est ce qu'on a vu avant. Ça, Oliver. Alors, il y a toujours cette porte de merde. En fait, je pense qu'il y a autre chose à voir. Le numéro 3, on s'en fout. Il y avait un truc là. Pour s'échapper vers le futur, on l'a vu plusieurs fois. Et retour vers le futur. Ah, il y avait le symbole avec le code de la route. Bon, gauche avant. C'est bon. On va refaire les blagues 10 fois.
Bah oui, mais voilà. Ouais, c'est vrai. On l'avait pas fait dans cette vidéo. Alors. Putain, mais. Je pense qu'on est vraiment bloqué. Hein. Ah, on est vraiment dans la merde. Internet est vraiment notre ami. Même si je n'abandonne pas. On va jamais abandonner. Même si on fera 50 heures. 55 heures. 55. Ou 60 heures. On continue, on continue, on continue. Je ne partage pas ton enthousiasme. Merci. Et je pense qu'on a déjà été là encore. À mon Dieu, il y a une nouvelle solution dans ce monde de brut. Là, devait y avoir un mort, mais... Un monstre. Là. Un monstre, voilà. Mais c'est ceux qui étaient dans l'eau à chaque fois. Alors là, il y a des escaliers, mais on n'y a pas accès. Bah si, par contre, on peut se baisser, mais j'ai décidé que non. Ah, l'ombre est vraiment très bien rendue. C'est t'as déjà été ici? Bah oui. T'es sûr? Attends. Pour s'échapper vers le futur, bah oui, c'est le début ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui. En fait, j'ai tourné en rond. On voit vraiment l'intelligence incroyable de Fireflav le Grand. Trop fort le castor! Je sens qu'il y a une présence. Une présence malsaine. Oui, bah de toute façon. Rendu où on est, Silent Hill. C'est toujours malsain. Ouais. Là, on peut se faufiler. Vous, les connaisseurs de Silent Hill, est-ce qu'on joue comme des noobs? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de connaisseurs de Silent Hill parce que ce jeu a tellement déçu dans. Il a dans tellement fait un bide. Voilà. Et ici, on sait. Ah, là, c'était le truc avec les couteaux. Ouais, on a fini ici. Le beau cul de Sébastien. Et c'est reparti. Bon, vous voulez voir des textures exceptionnelles, Oliver? Y aller. Excusez-moi, j'ai du mal avec les S. Oui. Les voilà. Ils sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Oh, magnifique. Des mouches. Des mouches. Des mouches. En 3D. Oh, le détail. En 3D. Oh en 3D, mon Dieu, le détail. Mais à part ça, on n'a toujours pas avancé dans l'histoire. Attends. Il n'y avait pas un truc à gauche. C'est lui. Non, c'est plus. Les ventreurs. Non, je rigole. Jacques, les ventreurs. Le retour. Ah là 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 là, c'est calme, si... pittoresque. Voilà. Singulier, je voudrais dire. On voit vraiment les textures incroyables de ce jeu, que procure ce jeu. Il y a vraiment de la tension dans chacun vraiment des... une ambiance unique. Ouais, vraiment, dans chacun des pas d'Alex, on voit la tension. C'est vraiment palpable, tout ça. Ah, et aussi Alex, depuis le début de son aventure, il cherche son petit frère, Josh. Et, ouais. Qui fait pipi au lit, et donc il lui a donné la lampe torche pour qu'il ne fasse pas pipi au lit. Voilà. Etc, etc. Toute l'explication de, cette magnifique histoire que procure ce jeu. Bon, je pense que nous allons avoir le droit... Un cinématique, cinématique. Quand cinéma. Tu veux voir les cinématiques, il te suffit de lever un levier. En fait, on a ouvert quoi? Ce qui fait flipper dans une vidéo, c'est pas le jeu, c'est nous. On a levé quoi là? Oui. Je sais pas. Là-haut. Oh, mais il y a une porte. La serrure est cassée. Je l'avais jamais vue cette porte. Ouais, mais elle sert à rien à casser comme d'habitude. Là, il y avait un masque qu'on a déjà pris. Là, il y a le trou d'anus. Là, il y a un autre trou d'anus. Là, on peut pas ouvrir. Ah, si, on peut ouvrir normalement. Non, c'est vrai. C'est l'autre. C'est celui-là. Ouais. C'est celle-là qu'on peut ouvrir. C'est là qu'on a déverrouillé l'énigme. Et c'est là qu'on voit les très beaux corps avec. Sans masque. Ah, sans masque. Comment ça se fait? Ça veut dire qu'on a rien débloqué. Non. Si, il y avait marqué quand même qu'on l'a fait. Ouais. Donc, non, je crois que quand le script est... C'est un bug du jeu. Ouais, mais je crois que quand le script est arrivé, les masques, ils ont dû disparaître, je sais pas. Alors, du coup, voilà. On va mettre un masque furieux, pour le fun, non?
Ouais, mais tu te rappelles du lapin? Et ben dans le grenier, il y a un truc avec une peluche. Je pense qu'on pourrait. Ah, faudrait remonter là où il y avait les médailles. Ouais, même si on n'a pas la troisième médaille, parce qu'il y a un truc avec les peluches qui est intéressant. Ouais, parce qu'on l'avait vu, mais on n'avait pas encore la peluche, donc faudrait y aller revenir ici. Exactement. Beaucoup d'aller-retour dans les jeux d'horreur, c'est comme ça. Bon, on va pas la refaire encore, mais. Cinématique, un levier. Quand tu me vois, j'ai envie de toi. Je suis en hors sujet. Levier qui fait tout. Relevé. Oh, oh, oh. D'accord. Bon, allez, on continue là. Parenthèse fermée. Ah, mais cette porte, je l'ai déjà ouverte. Ce truc, je l'ai déjà poussé. Oui, oui, si tu veux, à gauche. Et cet escalier, je l'ai déjà monté. Oui, bah c'est là qu'il faut aller. Alors, on a tué tous les monstres. Hein. Je sais que voilà, il n'y aura pas beaucoup de combats dans cette première partie. Vous devinerez pourquoi, on les a déjà tous tués. Hélas, donc on va se faufiler. À droite? Non, là il n'y a rien. Si, c'est là. Non, à droite. Non, se fou. Hein. Ah ouais. Oui, d'accord. Ah, je me semblais qu'elle était là, la peluche. Mais non! On l'a déjà, la peluche. Ouais, mais non, mais il y avait un truc de peluche qui était par là. Il se disait. Mais non, c'était à côté des médailles. Ah ouais, ok. Et là, il n'y a pas de médaille. Ah si, c'est par là qu'il faut aller. Si, c'est par là. Attends, derrière toi. Non, non, il y a un truc. Reviens derrière toi. Tu fais quoi? Il y a un truc où faut se baisser. Vous avez vu que c'est Firefluff qui joue. Ah, on a trouvé une médaille. À droite, j'ai vu la médaille. Et voilà la solution. Ah, heureusement que. Oh putain, merde! Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? D'où il vient lui? Mais c'est Star Wars! Star Trek! Ouf! Putain, on a rien pour se soigner! Allez vite! Oliver! Je dois prendre la manette, c'est ça? Non? Non, il m'a donné un coup trop vite. Chers téléspectateurs, nous n'allons pas abandonner. Ce fut un fail! Bon? On va continuer maintenant qu'on sait où est la médaille. Oui. Je vais prendre la hache et je vais lui niquer sa petite grand-mère de merde. Trop de tension. Hein. Oh, purée, il s'énerve là, il s'énerve. Bon, allez, c'est moi qui prends la manette. Allez-y, Oliver. Car l'objectif c'est. Après, quand... c'est pas les ennemis dans. Comment ça s'appelle là? Je sais plus le nom des jeux. Les Non. C'est un jeu d'horreur sur PC. Ouais. Bon alors. Le truc c'est dès qu'il y en a un qui perd, il passe la manette à l'autre. Oui. C'est vraiment le truc de base. Vas-y, tourne la molette, mon frère. On tourne la manivelle et on y va pour remonter la porte, remonter le temps. Oh. Énigme, attrapez-les tous. Là oui, là c'est un peu ça. Hein. Bon alors on va monter. Merci. Pokémon n'a rien à faire ici. Tu n'as pas débloqué la bonne porte. Je cours comme un PD. Et pourtant, je suis un ancien militaire. C'est reparti. Trêve de plaisanterie. On la refera peut-être une autre fois, pour le fun. Oh là, c'est... Oh yeah. Ils sont oh déjà tous partis, je pense. Hein. les chers téléspectateurs. Si, il reste peut-être un vieux qui s'est endormi, on sait jamais. Non, oui. Oh. Faut qu'on avance, qu'on prends la hache. Prends la hache pour tuer le con. Voilà, j'ai plus la hache. Voilà. Non, c'est pas là. Demi-tour. Fais demi-tour. Je vois tellement rien. Écoute, Oliver, il faut arrêter de chanter dans ces moments-là. C'est là, il dort. Tue-le avant. Avec un fusil, tue-le. Voilà. Je vais fuir. Prends le fusil. Ah ouais, est-ce qu'il peut passer? Ah ouais, prends le fusil. On va voir s'il peut passer. Eh, prends le fusil et bon, tue-le. Fusil à bon pas. À la bonne franquette. Voilà. On vous a dit, c'est la première fois qu'on a des balles dans ce jeu. Putain, c'est vraiment trop puissant. Et c'est les fusils à pompe, ça se tue en un coup. Bon, maintenant, faut que tu retrouves le truc. Non, c'est on est équipé comme Rambo, vous avez c'est vu. C'est pas là. Si, c'était pas là. Non, non, c'était un truc où fallait se baisser. Voilà, si, voilà, c'était ça. Tu vois. Sauter par-dessus. D'accord, ah c'est ouais, là. Ah ouais.
Et voilà, voilà, nous sommes arrivés enfin. Alors d'abord on va examiner cette peluche, blablabla. D'accord, ouais, c'est toujours un truc pourri. Donc je sais pas ce que c'est, reprenez. Merde, t'as repris. Vas-y, mets les deux. Ah, c'est parce qu'il a pas envie que je mette celui-là. Ouais. C'est passé quoi? Oh purée. Faut mettre un certain ordre. Non. Mais le cœur n'est pas en premier. Je sais pas, moi je suis au pif. Le pif ne marche pas. Mais le pif paf va marcher. On recommence. Bah. Mets l'étoile en premier. Merde, je voulais mettre l'étoile. Voilà. Le cœur en deuxième. Bah comme tu veux. Le cœur en deuxième, oui. Je le sens plus, quoi. Est-ce que c'est Fireflav qui le dit? Ah ouais, c'est Fireflav en direct. Oh yeah, yeah, yeah. Allez, check ça. Ah, yeah. Et en 16 minutes, on a enfin réussi à avancer un petit peu. On a fait une énigme. Et on a débloqué quoi, là, non? Tu sais, un des chiffres, là, bizarroïde. Ah, et peut-être, ouais. Et donc, comme ça, on a plus de chances d'ouvrir cette putain de porte de merde. Que j'encule tendrement. Attends, il n'y avait pas un passage là-bas, je sais pas. Non, il y avait rien. Regarder partout. Hein. Ne regarde pas derrière toi. C'est Metroid ce jeu, bordel. Ne regarde pas derrière toi et casse-toi d'ici. Il n'y a plus qu'à mettre la musique principale, merci. De Metroid. C'était là, très intentionné. Tu peux descendre maintenant. Voilà. Là, c'est bien s'il n'y a pas de temps de chargement. Parce que d'habitude, il y en a un. À chaque porte. Quand vous jouez à un jeu d'horreur, attendez-vous à avoir à chaque porte un temps de chargement. Voilà, voilà. Mais celui-là a tout révolu. C'est un jeu d'horreur, mais qui ne charge pas à chaque fois. Incroyable. Je dis juste que c'est incroyable. C'est quoi la différence, hein? Vas-y, fais le truc de manivelle, là. Ça se trouve, ça marche maintenant, le truc de manivelle. Le truc de... Tu veux que je fasse encore bouger la manivelle? Ouais. Ça a débloqué un truc. Attends, très important. Quoi? Sauvegarde! C'est pas possible, c'est un. Ce mec ne prend pas de risque. Ah oui! C'est pire qu'un puceau, je vous assure. Il ne prend aucun risque. Même si ça a rien à voir, ma blague. C'est pas trop une blague. Non, mais c'est pas grave. Je pense qu'il n'y a pas un gros blanc ici. Mais aussi vers nos chers téléspectateurs. Écoute, fais la manivelle. La manivelle. Encore une fois? À gauche, la manivelle, mais non, le truc que tu tournes le volant, comme dans Mario Kart, avec ton à gauche, voilà ça. Mais non, ça sert à rien, là. Voilà, ça sert à rien. Il en reste encore un, regarde là. En bas à gauche. Ah ouais, je comprends. Oui. T'as fait pas compris depuis tout à l'heure? Putain. Oh là. J'ai vraiment besoin de me mettre un doigt dans le cul. On voit quand même direct ça. Une image. Oui. Il y a quoi qu'on n'a pas débloqué? D'accord. On a tout débloqué. Ah non. Attends, est-ce que ça c'est déverrouillé maintenant? Là, il y a rien de verrouillé. C'était un truc pour un item. Ah oui, c'est vrai. À chaque fois, c'est là. C'est à droite qu'il y a un truc à verrouiller. On va regarder si c'est lequel. Non, mais là, c'est celui de gauche qui a déverrouillé, pardon. Là, il y a rien. Vas-y, ouvre. Non, celui-là, c'est pour la sauvegarde. Fais le truc. Non. On était déjà allé. Ça sert à rien. On refait la manivelle. Cinéma. Oh oui. Oui, bon, on n'a plus. D'inspiration. On n'a plus pour énormément chanter. On n'a plus d'inspiration. Ouais, mais le truc, c'est qu'on sait toujours pas l'heure. Et Oliver, remontez en haut. Et... Non, attends, regarde. Ça se trouve, il y a l'une des portes qui sont ouvertes là. Tu oui, rêves. C'est pas celle-là. Pas celle-là. Je pense que tu rêves un peu. Ouais, la nuit, là, c'est fermé. Là, c'est cassé. Là, c'est cassé. Tout est cassé. Là, si ça se trouve, ils vont faire les fourbes, ils vont ouvrir ces portes au bout d'un moment. Je vais voir un truc sur internet. Et c'est vraiment pas à propos du jeu. Avec son clin d'œil, quoi. Le clin d'œil légendaire, quoi. C'est n'importe quoi. Attends, c'est une grande porte là, qui se ferme. Alors là, nous sommes au deuxième point vert. Je pense que ça doit être bon.
D'accord. Bon bah... Oui, c'est... On dit jamais fuck internet, hein. Fireflame est en train de regarder, il est très... très concentré. Voilà. Alors ça, pourtant, vous croyez que c'est une porte vers l'eau, et bien je parie qu'elle va être fermée. Ou alors si. Ou alors j'ai rien compris et... Si c'est une porte vers le haut, bon d'accord. Non bah on va faire au pif pour l'horloge. Hein, parce que j'en ai marre. Je sais pas, ils aiment bien minuit. Ah bah non, c'était déjà mis. Par contre, j'ai toujours rien compris comment faire bouger ça. Ah, ok, c'est complètement con. Faut faire flèche vers la gauche ou vers la droite pour choisir... différents horaires. Je sais pas, on va mettre l'heure actuelle, hein. J'en sais rien. J'y suis presque. C'est vrai, c'est vers le bas. Te dépêche pas surtout. Ah voilà. Non, ça marche pas. Oh mais sérieux, il faut faire quoi? Je sais pas moi, 4 heures. Non, il y a trop de possibilités, il y a trop de possibilités. C'est pas possible. Oui, si je te dis 2 et 6, 2h06. Ah d'accord. Voici la solution. J'ai bien médité et finalement j'ai trouvé dans ma tête l'heure exacte. Alors 2h06. Allez. Alors la vitesse ultime. Faut peut-être mettre 2h30, hein. Non. Ce serait plus précis, non? Essaye, mais... Non, regarde. Là. Oh, merci Firefly. C'est grâce à ma méditation. Ma méditation ultime. Ah là là, j'y arrive toujours. C'est ouvert quoi? Des fenêtres. Oh. C'est ce que j'ai vu dans ma tête. C'est quoi ce truc? Je sais pas, je vais jeter ça. Oh, c'est ça en plus. Faire retour pour voir si ça débloque un truc. Oh putain. J'ai rien compris. Et pourquoi il y en a une qui se ferme? Ouais, pourquoi il y en a une qui s'est enlevée? Vas-y, on fait une autre fenêtre. On refait une autre fenêtre. Non, mais on peut pas les autres. Faut qu'elles s'ouvrent. Ah, mais alors faut faire différentes horaires, là. Alors, est-ce qu'il y a marqué là-dessus les horaires? Non. Je sais pas, moi. Le problème, c'est qu'on a qu'une peluche. Oui. Et où sont les autres? Non, mais c'est la peluche de Josh. C'est l'unique. Non. Non. Et tu peux plus changer l'heure, là? Ah, je peux plus. Ah bah au moins on est avancé, hein, on est plus avancé maintenant. Et normalement là il y a... C'était où qu'il y avait un truc Va au truc de levier. Ça se trouve, ça là, à droite. Oh oui. Ouh, ouh la force du Saiyan. En fait ils ont voulu faire leur fourbe, les développeurs. Voilà, voilà. Ah là là là, ça ressemble vraiment à... C'est magnifique. Ah, rien cette porte. En plus, les textures, oh mon dieu. Les textures de sa chemise. Aïe, ça redevient une maison. Je vous rappelle que cette maison, c'était la maison d'Alex et ses parents avant qu'elle devienne un vrai enfer. À cause des hommes avec leur masque à gaz. Voilà. Oui, mais ils ne connaissent pas ça. À moi qui sont des grands fans de Silent Hill. Homecoming. Mon dieu! C'est une porte qui s'ouvre! C'est la première fois que ça m'arrive! La fumée toxique du brouillard peut asphyxier Alex et lui causer des dommages. Assurez-vous donc de l'esquiver! Esquiver de la fumée? D'accord. Attendez que le brouillard dilate ses poumons. Voilà. Quand ils sont exposés, il est extrêmement vulnérable. C'est une vraie vache laitière. Voilà. Pour esquiver une attaque, appuyez sur le bouton d'esquive en anticipation de l'attaque. Vous avez bien compris les conseils d'Oliver Plasma. La fumée toxique du bruit. Oh, mais c'est qui cette meuf? Mais c'est son ex. Ah ouais. En plus j'ai raison. Elle ressemble à Barbie en plus. And a Barbie girl. And Barbie world. Toute la ville a disparu. C'est normal. Je pense savoir où ils sont. J'ai trouvé ceci.
quoi? Une pétition pour les chiottes? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on doit aller. Ah merde, c'est pas elle. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Mon père était assez sérieux pour risquer sa vie en allant là-bas. C'est là qu'est George. J'en suis sûr. Il fait que de s'enfuir, cette tapette. Ainsi que tout le monde. Radio. Alex, t'es là? Là. Oui, voilà. Je pensais t'avoir perdu. Je suis. Mince, tu ne vas pas te débarrasser de moi si facilement. Heureux de l'entendre, on a pas mal de choses à te dire. En attendant ce que tu peux nous trouver un bateau. On va à Silent Hill. On n'y était pas déjà? Si. C'est quoi ce jeu de merde? Je comprends rien. Faut vraiment qu'on se pince les tétons pour comprendre. Si on est réveillé ou pas. Ce jeu, vraiment. Bon voilà, alors si vous voulez, début de la vidéo, vous pouvez passer 10 minutes. Hein, on mettra ça dans la description. Parce qu'on n'a rien foutu en 10 minutes au début. Alors ça, c'est la mer? Non. C'est le lac. Et franchement, on a vraiment avancé en peu de minutes. Hein. On aurait même pu faire un speedrun. Oula, attention, je suis désolé. Pourquoi? Ce n'est pas ta faute. C'est une histoire d'amour, attention. Non, mais plutôt avec les affiches. Oubliez ça, c'est moi qui devrais m'excuser. C'est juste que cet endroit me rappelle de mauvais souvenirs. L'articulation de fou. Tu sais, je n'ai jamais compris pourquoi tu étais parti un jour. Tu as dit juste disparu. Alors tu sors tout le morceau là? Non, il n'a pas envie de parler. Écoute, je ne l'ai jamais dit, mais je suis contente que tu sois revenu. Je me sens plus en sécurité. C'est vrai. Mais pourquoi il est aussi excité, lui? Parce que c'est le dialogue de ma vie. Tout s'écroule autour de nous, mais on doit avancer. Comme si on n'avait pas remarqué. Non, ouais, j'avoue. Ouais, au bout de 10 heures de jeu... Je n'ai pas le choix. Si tu es là, tu pourras nous laisser. Seul? Alex, dis-moi ce que tu sais de Silent Hill. Je sais qu'on nous a dit des centaines de fois à Joshua et à moi de ne pas y aller. Ouais, mais ma mère plutôt. Ouais, eh bien, tes parents avaient raison, je te le dis, tout s'explique. Même si je sais pas ce que t'as dit, toutes les choses que nous avons vues à chauffer. Les cauchemars. Silent Hill, c'est ça que je veux dire. Cet endroit a une mauvaise histoire. Ça a toujours été ainsi. Tu es allé? Pas besoin, mais j'ai entendu beaucoup de choses quand j'ai décidé de déménager à l'Est. Je cherchais un travail brave pour la police. Je mange des bananes. Les blocs n'aimaient pas trop. Non, à l'époque, ils savaient ce... Le commerce de bananes ne marchait plus assez bien. Qu'est-ce qu'il fait? Personne ne sait, ils ont tout. Son vélo à l'extérieur. Mais j'ai entendu... Ce dialogue, il dure trop longtemps, là. Disons juste que tous ces gens, pas très sympas, blabla, l'ordre... D'accord, on comprend rien. Ouais, quand j'ai rencontré son père en travaillant avec machin, il m'a dit que je n'aurais jamais allé à Silent Hill. C'est quand qu'il y avait, c'est là? Putain, mais arrête avec ça, il y a un blague devant. Je suppose que c'est là l'ironie du sort. Est-ce que tu penses qu'on va trouver... D'accord. La solution? Ah, et c'est hier? Ouais, c'est la première fois que... C'est quand elle va poser son épaule sur le gars. Oh, mais c'est deux photos. Je l'ai pris dans la chambre de ma mère et le jour où on aura disparu. Et je ne l'ai pas enlevé depuis. Mais... Wow. On sent. Elles sont sexy. Regarde un peu ses cheveux. Il dirait c'est ça en plus. Idiot. Je suis juste content que quelque chose aille mieux depuis mon... D'accord. Attention, une fille super pixelisée. Oh purée, on voit l'ombre qui bug. Il y a une lampe là-bas. On est peut-être près de l'ombre de ses sourcils qui bug. C'est le problème des jeux HD, ça. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? J'éteins les lumières, je ne veux pas que quelqu'un sache quoi. Elle crie! Mais qui est-ce? Il vient de l'eau en plus. Ah oui. Les pattes! Wheeler! Laisse-la tranquille! Ah! Je parie qu'il va se... Voilà, il va s'aider. Comment il a fait pour tomber dans l'eau? Et voilà, c'est reparti pour être seul! Yeah! Et j'espère surtout que c'est la fin de ce jeu. Franchement. Parce qu'on commence à en avoir marre. Ouais, je commence à avoir... les boules qui gonflent! Oui, surtout quand tu vois cette image. Ouais. Il n'y a pas que mes goûts qu'on m'a fait, là. Personnellement. Oh là là. C'est une image grisâtre. Eux, ils font juste... T'as vu tes cheveux? C'est le seul truc un peu olé olé. Ouais, et toi, ouais. À côté, tu dis vraiment des trucs. Ça fait peur, des fois. Oh, il y a un résident civil. T'as vu? Ah, j'avoue. Sauf que c'est un peu plus beau, Resident Evil 6.
Regarde les textures de la terre et des cailloux. Ouais. Ils sont vraiment concentrés que sur les personnages, quoi. Bah, même encore les personnages, je sais pas. T'as tout. Eh oui, tu es seul, tu es un gros paumé. Ça me fait penser fumer. Il veut fumer. Bon. Ça me fait penser à Alan Wake quand même, ce jeu, puisque le héros ressemble énormément à Alan Wake. Oh, brouillard! Il dit des mots des fois. Fumer brouillard? Peut-être un indice. Je l'ai pris dans la chambre de ma mère le jour où Nora a disparu et je ne l'ai pas enlevé depuis. Ouais, c'est sa pensée. Analyse, analyse, analyse! Analyse encore. Un pont. Non, je rigole. Non, t'as pas compris, c'est Metroid. Elle, Wheeler. Non, ou alors on fait. Concentration. Il y a tout. En fait, c'est n'importe quoi cette vidéo, alors que avant on en avait fait une autre, sauf qu'on n'avait pas filmé. Ah, voilà. Et D'accord, c'est pas logique. Bon, allez, arrête. On avait fait une autre vidéo, sauf qu'on l'avait pas filmé, on était vraiment beaucoup plus sérieux. Ouais. Alors que là, ça part dans tous les sens. Ça part en couille. On peut retourner dans le bateau Miami Gabo. On peut sauter, c'est très bien. C'est surtout ça le truc. On peut descendre. On peut pas aller. Les toiles d'araignée sont apparentes là. Ouais, c'est vrai. Attends, c'est vrai. Attends, fais un zoom. Ah, j'ai déjà appuyé. Descendre. C'est des bouts de bois en fait. C'est pas vrai. Les boîtes de... les boîtes d'appât sont remplies de sang. Alors à quoi ça sert de pouvoir sauter par-dessus ça s'il y a rien? J'avoue. Pour le fun. Pour montrer que c'est pas linéaire. Mais que la plupart des passages à côté sont inutiles. Ah, c'est comme ça, c'est la plupart. C'est la conception de la plupart des jeux. D'horreur. C'est souvent des passages qui servent à rien. C'est pour ça que tu fais des allers-retours incessants. Et c'est pour ça que j'ai pété un câble dans Resident Evil 1. Voilà, c'est tout. D'accord. Je pense qu'il faut monter. Je pense pas toi. Oui. Moi je pense aussi. C'est une bonne initiative. De la part de Firefly, qui est aux commandes de la. Qui est en train de faire bouger le personnage. Comme si c'était lui qui bougeait. Oui, parce qu'on le dit pas à chaque fois, mais des fois on change. Pour le fun. Voilà. Autrement, il y en a un qui s'ennuie, bon. Et à force de s'ennuyer, bon, il s'ennuie. Et si vous voyez. Oh là, si y a, vous voyez qu'on perd contre les ennemis, ça veut dire que c'est pas moi qui dirige le personnage. Oh, la roche est si bien modélisée. Oh là là, ça grince. Au moins, c'est pas juste des textures. C'est au moins de la roche. Un petit aperçu. Je vous rappelle que c'est un jeu de 2007. 2010. 2010, connard. On pourrait croire que c'est le tout début de la PS3. Même pour le tout début de la PS3, c'est pas incroyable. Ah, se baisser. Il y a peut-être juste les personnages, ça peut aller, mais voilà. Et nous sommes de retour dans la rue de Silent Hill. Et ah. Une petite cinématique. Alex, t'es là ? Wheeler, Wheeler, c'est toi. Parle doucement, Alex. Dieu merci, tout va bien. Écoute, ils ont mis... en prison, c'est horrible, ils ont pris elle, et ils sont sûrement en point. Wheeler, allez Wheeler, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils sont en train de faire un truc, quoi. Qu'est-ce que je lis mal? Bon alors. Le brouillard. Mais j'ai un flingue, je m'en fous. Le brouillard. Mais j'ai un flingue, je m'en fous. C'est pour m'assurer. D'accord. Alors voilà, la fumée sort de là. Ça va, il y a des fissures. C'est vraiment, on sent que là, la Terre est vraiment en danger, et on sent que c'est la fin du monde bientôt. Voilà. Ça se rapproche. Je pense pas qu'on peut voler des voitures comme dans GTA. Un truc par terre, c'est un zombie ou quoi? Non. C'est une copine d'école. Un petit copain. Hein. Elle a été écrasée par la voiture juste à côté. J'ai entendu quelque chose. C'est dans ma tête ou c'est réel? Fusil de chasse. Fusil à pompe, pour être plus précis plutôt. Tu connais ce magasin. C'est le magasin d'appât de Toluca, mec. Père ne nous y amenait jamais, même si ce magasin faisait de meilleurs prix. Il essayait toujours de passer le moins de temps possible dans cette ville. Dans cette ville de merde. C'était pas obligé de tout simplement. Ça, parce que c'est la ville de mon enfance, Oliver. Silent Hill ? Oui.
Alors là, normalement, il y a une sauvegarde. Ah oui, c'est là que vous avez appris toutes ces horreurs que vous racontez des fois. I love sauvegarder. Le grenier. Et maintenant, on n'est plus au grenier. On n'est plus au grenier, c'est incroyable. Aïe, c'est incroyable. Aïe, nous sommes passés outre le grenier. Et nous sommes rendus pour de nouvelles aventures. Avec un nouveau dessin. Avec un nouveau dessin, oui. Ah, on voit enfant qui va se faire piéger par les ténèbres. Tout à fait, mais... Oh là là. Oh, oh des missions pour plus dans les... Check ça. Yes. Ça, c'est bien. C'est incroyable. J'adore ces moments-là. Oh là là. Vous savez, quand on a récupéré les 4 munitions de fusil de chasse et... Là, c'était vraiment... Et les 12 balles de fusil de pistolet. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Ah, et on a toujours le truc avec les deux photos. Mais... Par contre, c'est incroyable, mais j'ai remarqué qu'il y avait une très peu de trousses de soins. Est-ce normal? Oh, mais on a peut-être loupé plein. Hein. C'est comment pour recharger déjà? Non, mais c'est déjà rechargé en fait. Là. Ouais, bah c'était. Oh toi. Putain! Ouais, et ça vaut pas le coup. Pour lui, c'est vraiment une merde ce truc. C'est une merde, mais il t'a fessé. Ouais, ces trucs là, ça vient souvent dans l'eau et là. Ah, c'est des poissons zombies quoi. Bon, voilà, il est mort. Et on est dans la merde parce qu'il est en train de suffoquer. Super. Ah, et c'était des munitions de quoi alors que j'avais? C'est des munitions de pistolet. Parce qu'avant on avait pas 12-12, on avait que 12. Donc là ça fait 12 et 12. Bon, d'accord, 24. Et on fait comment? On fait ça? Non mais là on peut pas y recharger au maximum je crois. Ah, et oui. Même pour recharger c'est carré je crois. Tu vises et tu fais carré. Non mais là ça sert à rien. Ah bah là il est au maximum en gros, 12. Je rêve où on a pas de trousse de soins. Et je rêve pas. J'ai l'impression que ça lag un peu. Il va se passer des choses. Je pense que c'est pas qu'une impression, c'est peut-être à cause du brouillard. Ouais, mais je fais demi-tour. Là, trop d'effets. C'est quoi ça? C'est du béton. Oh, c'est très bien fait. C'est un radiateur, on dirait. Ouais, bien voilà. Je pense que c'est des tuiles qui sont tombées. Non, je sais pas. 2 dollars, il y avait marqué. Je sais pas quoi. C'était un indice. Bon, je retiens le 2. Ouais, c'est peut-être pour plus tard un code. Un code à 2 balles encore. Voilà. Parce que là, le 2h03, j'ai vraiment trop médité et je pourrais pas reméditer comme ça, quoi. Ah, c'était très difficile. Et ça, c'est un ancien ami, encore une fois. Alors, combien de coups? Deux. Oh, c'est rentable quand même. Non, attention, attention, il y en a un à droite. Prends le PD. Il va t'avoir. Allez. Crève la momie. Voilà. J'en étais sûr. Ah, c'est pour ça qu'ils peuvent pas marcher. Hein. Et les deux jambes sont liées. Y a pas un petit bug là? Ah non, je sais qu'il y avait un truc qui était pas mal fait. Et si... La voiture devrait tomber là, logiquement. Oui, mais il y a de la glu en dessous. Putain, mais c'est quoi cette connerie? Vite, faut que tu passes. Oh! Ah. Donc les ennemis repopent à l'infini. Et c'est ça. Il a disparu dès qu'on a passé le pont. Tout à fait logique. Et on n'a plus rien en boisson de santé. J'aime les bugs que procure ce jeu. Overlook extrême. C'est la prison en fait. Oui, alors là, Wheeler répond. Wheeler, come in. Alex, Dieu merci, où es-tu? Je suis à la prison, je ne peux pas entrer. Y a-t-il une autre issue? Il y a une entrée de l'autre côté de la prison. C'est ton meilleur choix. Sois prudent. Mais je suis sûr que c'est un endroit où il va y avoir plein d'araignées et de spiders. Mais j'ai mon fusil, mon pistolet. T'as compris? Ton pistolet. Avec 7 balles, plus 12. Ça fait 10 heures. Bon alors, ouais. Faut à droite. Ouais, voilà, ouais. Là, par là-bas. Ah, mais. Oh non, mais. Encore? Il a pas compris que j'étais presque mort et que je pouvais plus te tuer. Ouais, je le recharge. Ce serait peut-être mieux. Carré, ouais, c'est bon, c'est carré. Tu vois, mais quel esprit de déduction pour un vrai esprit collectif. Oui, je sais. Et c'est là qu'ils viennent en fait les monstres. Les monstres.
il repop à l'infini, au bout de 10 secondes il va repopper, je parie, voilà. C'est comme ça. C'est ça que voilà. Croix pour ouvrir la porte. Petit temps de charge. Pour esquiver d'attaque, appuyez sur le bouton esquive en anticipation de l'attaque. C'est ce que je t'ai déjà dit. Ouais, ouais. Mais c'est pour le fun. C'est vraiment des conseils à la Oliver Plasma. Les ennemis assommés peuvent être achevés avec une attaque lourde. Avec une attaque lourde. Mais surtout avec une attaque légère. Oui. Ça, c'est... Oui. En fait, je comprends pas pourquoi vous dites ça. Si, les chiens. Les chiens, ils sont beaucoup plus battables avec des attaques légères, ouais, par exemple. Si, après. Bah, on va venir. Alors, on continue dans cette petite interruption. Voilà. Ça fait déjà quelques heures qu'on n'a pas picolé. C'est ce que nous a dit notre assistant technique. Ouvrir. C'est verrouillé. C'est verrouillé. Je dis exactement la même chose. La porte, elle ne peut pas s'ouvrir. Ah, et aussi, sinon, si vous voyez que c'est en noir et blanc, c'est normal, c'est le jeu qui est comme ça. C'est pas parce que la capture... Putain, mais c'est quoi cet enculé encore? C'est pas un problème de capture. Eh, ok, il est un peu con-con. Hein. Il va où, en fait, là? Je veux voir ma grand-mère. Oh là. Je vais aller au parc, mon petit. Enfin, faire foutre. Non, tire lutteux. Tire lui dessus encore. Voilà. Parce que quand le lock il est rouge, ça veut dire qu'il est encore vivant. Chut.